Je m'appelle Hubert, mais ici tous mes camarades m'appellent Soran. J'ai 28 ans et je viens de France. J'ai décidé de rejoindre la révolution au Rojava et les forces syriennes démocratiques pour aider le peuple de Rojava, pour aider le peuple kurde, pour aider le peuple arabe, le peuple arménien, le peuple chrétien, les turkmènes, pour aider à construire cette région Rojava, une région démocratique, une région libre. Parce que, comme vous savez, partout en Syrie maintenant c'est la guerre, et partout les gens sont opprimés. Ici seulement à Rojava, nous avons un exemple vraiment de vie démocratique, de vie libre. Donc j'ai décidé de ne pas rester en France, de ne pas rester en Europe, mais de venir vraiment aider ici la révolution. Donc ici nous sommes à quelques kilomètres de la ville de Mount Beach. Mount Beach c'est une ville très importante et très stratégique. C'est une ville de 100 000 habitants, donc c'est une grande ville. Vraiment, il s'agit ici d'une très grande opération pour les forces syriennes démocratiques. Pourquoi cette opération est importante? D'abord, il s'agit de libérer les civils, la population civile, de l'oppression de Daesh. Ensuite, c'est une zone stratégique puisque Daesh reçoit la plupart de son soutien militaire, financier, son soutien en armes, son soutien en combattants par la Turquie. Le régime dictatorial turc aide Daesh. C'est pour ça que c'est très important pour nous de vraiment couper le lien qui existe entre Daesh et la Turquie. Donc nous allons prendre la ville de Mount Beach, nous allons couper ce corridor et à partir de là, Daesh sera complètement isolé du monde ne pourra plus commettre ses atrocités, commettre ses attentats, ses attaques contre des civils innocents. Enfin, la troisième raison pour laquelle cette opération de Mount Beach est très importante, c'est parce que nous avons tous nos amis qui sont à Afrin. Afrin, c'est cette région du nord-ouest de la Syrie. Là-bas, nous avons des Kurdes, nous avons des Arabes, nous avons des chrétiens qui sont totalement encerclés par Daesh. Et donc, si nous arrivons à prendre Mount Beach et à prendre ensuite les quelques villages qui sont par la suite, nous arriverons à retrouver nos amis et à recréer justement cette région du Rojava qui sera un exemple pour la Syrie et un exemple pour le Moyen-Orient. Enfin, je voudrais envoyer un message au monde et surtout aux jeunes, à la jeunesse du monde, de leur dire regardez ce qui se passe en ce moment à Rojava. C'est un moment historique. C'est une révolution vraiment de la jeunesse. Mais nous avons besoin d'aide parce que les ennemis du Rojava sont très nombreux. Le régime turc, Daesh, le régime syrien. Donc nous avons besoin de tous les volontaires possibles. S'il y a des gens qui savent combattre, ils peuvent venir ici combattre. S'il y a des gens qui sont docteurs, qui sont infirmiers, qu'ils viennent ici. On a beaucoup de blessés et on n'a pas beaucoup de matériel médical. Donc on a besoin d'aide pour ça. S'il y a aussi des gens qui sont simplement civils, qu'ils viennent ici. La guerre bientôt ici sera terminée. Nous aurons besoin de journalistes, nous aurons besoin de docteurs, nous aurons besoin de professeurs, nous aurons besoin d'ingénieurs. Toutes ces personnes pour reconstruire la vie civile. Le plus important à la fin, c'est pas la guerre, c'est de pouvoir reconstruire une vie civile normale pour les enfants du Rojava. C'est ça qui compte plus que tout. Donc aidez-nous, Serkeftin, victoire et vive les forces syriennes démocratiques.